Une énigme artistique est sortie sur les écrans français en 2013, l'adaptation live de la BD de Boulet Bill. Boulet Bill étant quand même la BD la plus drôle de France, il semblait logique d'en faire un film hilarant, chose faite, avec dans les rôles principaux Marina Foïs et Franck Dubosc. Le premier film est tellement bon et le cinéma français à la pointe de la nouveauté et de la création artistique que sort sur nos écrans ce mois-ci Boulet Bill 2. Alors, vous pouvez voir la bande-annonce à l'image en ce moment même. Et... Stop! Stop, arrêtez! On peut re-regarder la première bande-annonce, s'il vous plaît? Stop! Ah, mais oui! Entre les deux films, Marina Foïs est devenue Mathilde Seigné. Mais pourquoi? Non, mais attends, alors, re-stop! Eh oui, regardez! On voit des images du premier film, s'il vous plaît? Mais oui! Boule aussi a été changée! Mais pourquoi? Ah, plus étonnant, regardez! Voyez Bill là? Et regardez Bill dans l'autre film. Les Bills ont été changés aussi. Bill joué par le cocker Cacahuète a aussi été changé. C'est donc le cocker Bamako qui le remplace. Mais cette fois, c'est une volonté de la production. Cacahuète est un comédien canin erratique qui a pourri le tournage du premier Boulet Bill. C'est pourquoi Marina Foïs et le premier Boule ont refusé de tourner dans la suite. Cacahuète est feignant. Le voilà dans sa loge en train de boire plus que de raison. Il arrivait en retard sur le tournage et la prise de cocaïne le rendait méchant, comme vous pouvez le voir. Il faisait des gestes obscènes à Marina Foïs toute la journée, comme on peut le voir sur cette image, et il urinait sur Boule, comme ici. Pire, il organisait des gangbangs de chiens tous les soirs, les hurlements empêchaient l'équipe de tournage de dormir. Stop au sexe, dog et rock'n'roll.